la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la Compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Crasso, maréchal de la brigade anti-sorcier. Thème: comment être délivré des liens de la sorcellerie? Tu souffres des œuvres de la sorcellerie? Envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. À Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32 76 38 90 47 07 23 28 07 92 99 11. Que Dieu te bénisse. Vrai, vrai sorcier. Tu tues l'homme. Tu manges l'homme. L'homme, c'est doux. Hein? L'homme est doux. C'est bien doux. Tu manges quelle partie de l'homme? Je demande aujourd'hui, je ne peux pas prier. C'est cuisse là. Donc ça veut dire que tu manges bon viande. Tu as tué beaucoup. Qui est qui? Ma femme, Mariam. Mariam, non. Adela. Beaucoup. Quoi? Yawa. Bon, on commence quoi d'abord? Premier, c'est qui t'as tué? Maria. Comment t'as tué Maria? Maria, elle a mal au ventre. Comment tu l'as tué? Maria, elle est à la maison. Quand j'ai rentré à la maison, là, et toi à la maison, j'ai rentré. Et so, ça t'est fait à la maison, là, comme fille. On dit ça en français. Mèche. Vous avez déjà compris ça? C'est ça, moi je comprends. Vous avez compris que c'est ça? C'est ça, il ça fait ça. Vous avez compris ça? C'est ça, je dis. C'est ça, je mets sur le côté. Ça dit quoi? Tu as vu quoi? Tu as vu toi dans le ciel? Faut expliquer. Je connais pas son nom. On dit à toi d'arriver. C'est ça, je mets sur lui. Et puis, comment tu as mis sur lui? J'ai mis comme fille, on prend pour tercer, je mets collé. C'est qui? C'est Mariam. Elle était où? Elle était à la maison. Où? Puis tu as mis fille là? C'est nous, et à la maison. Coucher, marcher, ouais. Couché. Et puis, quand, à quel moment tu allais mettre fille là-bas? La nuit. Mais fille est l'homme là. Fille là, c'est l'homme peut couper. Comment pour toi là, ça coupe pas? Mais explique justement, pour expliquer. Fille là, j'ai mis sous lui. Elle est couchée, donc j'ai mis tout sur elle. J'ai mis sous elle. Mais pour ça, là, il faut expliquer. J'ai mis sous elle. Tu l'as attaché, toi dans la réunion là, tout sur elle. Et puis tu as fait quoi? J'ai tiré. Tu l'as tiré. Comme ça, j'ai appris de la vie. Et puis tu as pris son âme. Et tu as mangé. Seul. Sans seul. Sorcier, mais pas seul. Je suis avec la famille. Non, groupe. Vous avez mangé. Deuxième personne. Dis encore, deuxième. Yawa. Comment t'as tué Yawa? Yawa, j'ai mis sur lui. J'ai fait le business pour le sauver. Tu as pris ses cheveux? J'ai brûlé. Attends, on reprend. Tu as pris les cheveux de Yawa? Ses cheveux qui étaient sur la tête? Et puis tu as fait quoi? Et puis j'ai brûlé. Tu as brûlé ça? Pour elle-même? J'ai mis un pour elle-même. Mais où tu l'as trouvé et tu as pris ses cheveux? J'ai tressé. Toi, tu l'as dressé. Tu dis, viens te dresser. Et puis, tu l'as dressé. Tu as pris ses cheveux. Et tu as fait quoi? Tu as brûlé. Tu as mis dans la sauce. Et on va bien manger. Et puis, c'est devenu quoi? C'est devenu. Hein?
Elle est poison. Poison. Elle est morte. Elle est morte. Troisième personne. Troisième personne, lui, la vie. Vous l'êtes là. Maintenant, viens me tresser. Vous avez compris? Elle a ma copine vient me tresser. Hein? Elle va te montrer qu'il y a mis sucre dans l'aubergine. Elle a eu le mot de vin. Hein? Vas-y, c'est poison. Elle a eu. C'est pas comme un poisson, quoi, là. Ah, c'est poisson. Il faut laisser un peu de un mot de ventre, là. Tu l'as tué comment? Il boit. Il boit poisson. Tu l'as tué comment? Je ne l'ai pas dit, il boit ou pas. Comment tu l'as tué? Le frère me dit, il boit, le j'ai mis le médicament dans le poisson. Hein? Le médicament dans le poisson. Je n'ai pas compris. J'ai dit, il boit. Le frère, j'ai mis le médicament dans le poisson. Tu as mis dans quoi? Koutoukou, bien, c'est bien. C'est bien. Il boit tout. Il boit, koutoukou, il boit. Et comment tu as mis? C'est dans Koutoukou ou c'est dans Bangui, tu as mis? C'est Bangui. Tu as mis dans Bangui. Comment tu as fait? Et moi, tu as mis dedans, il a cassé de main, tu as caché. Il n'a pas ouvert. Comment tu as fait? Elle a mis le gobelet là dans sa maison pour y voir l'eau. Et puis, il y a le bagage là dedans. J'allais mettre dedans. Et puis, tu allais mettre poison dedans. Et lui, il a bu. Et puis, là, il est mort devant. Il est mort. Ok, allons-y. Donc, là aussi, elle est malade. Comment elle s'appelle? Yawa. Elle s'appelle Yawa. Non, ça fait 4ème personne. 4ème personne. Yawa. 4ème. Yawa. Elle a accouché. C'est moi, j'ai accompagné à Téléano. Elle partait coucher. Elle est malade. Ah. Elle est malade, j'ai accompagné. Accompagné à l'hôpital. À l'hôpital. Oui. Et puis j'ai appelé son chiffon. Quel chiffon? C'est Bob. Son pain est chiffon. C'est ça, j'ai appelé. Tu as pris chiffon là? Pour faire casser, il a mis Kodo. Ah, son truc là, tu as pris ça pour mettre. Pour mettre Kodo. Et puis tu as gâté. Il est mort. Comment tu as fait? Comment tu as fait? J'ai pris son bain là, j'ai mis pour pain là. J'ai mis pour mes pain là. Mais pas de rien quoi là-dessus. J'ai sauvé que j'ai appelé. Ah, tu as pris chez encore. C'est ça, il y aura un là de balle, j'ai appris pour mettre. Ah, tes cheveux là, tu as mis dans le condo là. Tu peux la goûter. Puis c'est la tuer, c'était poison. Et puis tu as fait quoi encore? L'autre là, elle a essayé. Elle a poussé dans la poussée. C'est mon petit frère. Petit soeur. Elle a poussé, elle a essayé dans la poussée. Tu as fait quoi? Pourquoi la manière dont vous avez tué là, ça vous ne voulez pas dire? C'est toi qui as dit le nom des gens que tu as tués. Donc, dis-nous comment tu les as tués. Quelqu'un peut l'aider? Ah, quoi, c'est vrai,
Oyama, elle a pris ses cheveux là pour emmasonner ce qu'elle a conduit là. C'est ça, elle a pris pour attraper son âme et puis elle a tué d'accouchement. Elle est morte d'accouchement là. Ah, ok. C'est ses cheveux là, elle a mis six conduits là. Elle a apporté. Non, elle ne peut plus accoucher et puis elle est restée dedans. Ah, ok. Maintenant, tu expliques bien. Mais c'est ce que je veux comprendre. Elle dit pourquoi pour là. Elle a empoisonné le bandit là. Donc, il a bu le bandit. Non, on a compris. C'est quand je ne comprenais pas bien. Mais ton mec est dangereux, ça y est. Arrête même, c'est petit. T'as vu ça, tu sais. Merci. Mon frère, il est allé au champ. Mets le micro là. Mon frère, ta belle copine, elle est allée au champ. Et puis, c'est pas maudit. Elle ne sait pas maudit. Comment tu l'as tué? Comment tu l'as tué? J'ai mis ça. Tu t'es transformé en serpent. Ah, c'est ça que tu ne peux pas dire. Et tu l'as piqué. Tu as tué qui encore? Tu as gâté qui? C'est mon fille qui a poisonné. Où elle est? Elle est boitée. Tu as poisonné comment? Il a fait maudire un bar. Pilon. Pilon là. Un bar. Il a écrasé. Tu as écrasé pilon un bar. Il a mis manger. Manger. Et à manger, puis tu as empoisonné. Il n'a pas mort, le malade. Pour mourir? Mais elle va mourir. Elle est ici, tu as guéri. Oh. Tu l'as empoisonné, c'est ça? Tu as gâté qui encore? C'est tout? C'est sûr que c'est tout? C'est tout, maman. Je n'ai pas tout ce que tu as dit là, venez. C'est tout. Hein? Tu as gâté quoi dans leur vie? C'est ça votre problème? C'est ça que j'ai dit là. Tu as dit une seule fille. Oui, les autres, tu as fait quoi? Un gèbre. Tu ne veux pas changer ou bien? Tu vas changer, mon gars. C'est tout, tu n'as rien fait. C'est tout, voilà. Rien. C'est tout. Et les enfants t'ont donné son sujet. Un petit là. C'est rien. C'est rien ça. C'est tout. Tu as dit c'est tellement. C'est lui, c'est avant, je tiens à monter ici, moi je pourrais appeler. Mais lui, je ne veux pas rappeler. Comme il a monté avant, tu as montré là. Est-ce qu'on a délivré? Où ils sont ceux qui t'ont donné sur ce lieu? T'as dit les bruits? Moi, il est là. Tous ces enfants? C'est vieux comme ça. Tu lui donnes les choses. Ça va? Elle t'a donné son céleri. Ta maman. Tu aimes Jésus? J'aime Jésus. Il a donné son céleri. Hein? Oui. Comment tu as donné? Comme, je ne sais pas, on mange ensemble. Non, mais c'est délicat.
Elle dit, comment on mange ensemble? Elle a servi le petit. C'est dangereux, hein? Petit, ça va? Tu t'as donné un peu, hein? Tu as mangé ça. Comment vous mangez ensemble, c'est ça? Et puis tu as fait quoi? Il dit vous mangez ensemble. Donc ça fait quoi? Ça donne aussi. Quoi? Viens là aussi. Viens là. De quoi? De l'homme. Il a mangé. Il n'a pas mangé. Mais arrête tes conneries. Toi qui as dit tout à l'heure, tu lui as donné. Quand il dit t'as donné, c'est qu'il a mangé les 10 aussi. Alors faut parler, tenter d'emmener les conneries. C'est moi qui t'ai forcé, mon gars. Vous êtes comme ça maintenant. Toi-même, tu donnes à faire des grands aux enfants. Sorcellerie, c'est bon. Pourquoi tu donnes ça à l'enfant? Et c'est mauvais et tu donnes à un bébé. Comme ça, il va poursuivre ses mamans la nuit. Petit, demain, tu vas les poursuivre comme chien la nuit. Hein? On va prier pour toi, hein? T'as envie. Les enfants, ils me sentent comme ça. Comme tu manges avec lui, c'est ça? Tu dis, bon, tiens un peu, il faut manger. Hein? Il a mangé. Il est venu sortir. Oui, oui, oui. C'est comme si on te forçait. Il est né sorcier. Dans la nuit, tu lui donnes de temps en temps. Ah, il s'appelle les dormir, toi. Ça se réveille là. Elle me dit, regarde. Il dit, dis-moi maintenant. Hein. Dis-moi, arrête. Tu es devenu chien pour suivre les vieilles personnes à rêve. Ça va? Les enfants, ils ne savent pas dire non. Pour refuser, non, tu ne refuses pas. Eh, bon, viens maintenant t'adonner. Tu as mangé, tu es rassasié. Et tu l'invites de temps en temps. Non, c'est pas tout le temps. Mais de temps en temps. Faut pas plaisanter à moi. Quand tu donnes sorcellerie à quelqu'un là, c'est pour l'envoyer là-bas l'entraîner. Toi, tu t'amuses avec qui même? Tu penses que c'est ça pour t'amuser? Hein? Tu as donné sorcellerie là, c'est pour jouer lui. C'est pour l'envoyer là-bas, l'apprendre comment on mange. Tu l'as pris quoi à faire? Il n'a qu'à faire quoi? Hein? Donc tu l'as pris quoi? Il a petit là, il fait quoi là-bas? Il fait quoi là-bas? Il a un que tu lui as donné? Il mange son bas. Tu es malade ou bien? Sorcellerie, c'est pas aller te jouer. Tu n'es pas bien un sorcier qui joue. Pas très bon, plus haut. Ça va? Hein? C'est fini, tu manges plus. C'est fini. Bien. Je n'aime pas ta manière. Hein. Je suis pas encore jouer toi. Hein. Qu'est-ce que tu as fait de l'enfant? Hein?
Donc si j'entends les jouer, moi ou bien? Non, il ne faut pas être pas. Allez-y. Tu veux comment? Tu ne poses pas avec elle. Ah. Tu discutes un mot. Oui, elle a fait son mari. Tu ne poses pas avec elle. Attends. La dernière fois là, qui t'a dit tes sorcières? C'est toi qui m'as fait. Ça veut dire que je vois clair. Mm-hmm. Tu as compris? Mm-hmm. Donc, faut pas plaisanter à moi. Mm-hmm. Je t'ai demandé, tu dis de te délivrer. Mm-hmm. Je t'ai pas forcé. Mm-hmm. Mais ce que tu fais là, je sais. Mm-hmm. Tu couches avec les filles là, tu fais l'amour avec eux. Tu as Kiki. Mm-hmm. Kiki la nuit, il faut pas me dire point point. Tu veux quoi? J'ai parlé, j'ai déjà parlé. Tu veux quoi? Je veux te parler. Libérer comment? Voici ça. Mais pourquoi tu n'as pas à mes yeux de dire ce que tu fais? On te force ou bien? Non. Voici ça. Voici. C'est ce qui se passe. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Je pousse avec. Hein? Mais du coup, faut pas trop discuter. Ta maman, quel que soit ce que tu fais. Tu fais quoi? Je pousse avec. Tu fais comment pour coucher? C'est ça ton problème, tu vas aller t'asseoir. Comme ça. Hein? Ah, tu parles maintenant. Comme garçon, femme. Tu fais comment? Allez, va lui montrer. Va lui dire comment tu fais. Va lui dire. Ah, vous voyez? Regarde ici. Tu fais comment? Tu fais comme ça. Tu fais comment? Tu fais comme ça. Montre-moi. Tu fais comment? Tu fais comme ça. Comme ça. Comme ça. Et puis? Kiki sort comme ça. Faut faire quoi? Ah, c'est la nuit, ça sort. Ça sort pas maintenant. Tu t'as combien de fois? Tu t'as combien de fois? Le pied là, tu t'as combien de fois? Tu t'as trois fois. Tu fais comme ça. Hein? Et puis comment ça fait? Hein? Ça sort comme ça. Et tu fais comment? Tu fais comment? L'autre là, ça, la nuit, tu viens ici. Et puis l'autre nuit, tu vas là-bas. C'est fort, hein? Et c'est pourquoi? C'est pourquoi? Hein? Pour gâter leur vie. Je te demande ou bien? Oui. C'est moi qui ai dit d'aller faire sorcellerie. Non. Je te demande, parle, on va te délivrer. Non, je suis là, il te demandait, tu dis non, tu ne couches pas. Tu as vu? Maintenant, après, tu es rentré dans les détails. Votre bouche là, ça va réussir. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Elle avait l'enfant d'eau, elle avait son enfant. Tu es dans le nom de Jésus. Je proclame ce soir ta délivrance. En libérant ton âme, ton esprit et toute ta vie. Je proclame ta délivrance ce soir.
Reçois ton miracle. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu. Délivre. Marie, libérez-la. 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 Nom de Jésus-Christ. Jésus, reçois ta délivrance, reçois, reçois ta délivrance maintenant, reçois, reçois, feu, allez, allez, feu, lâche-la, le feu danse sur tes œuvres, dans le nom de Jésus-Christ, je proclame ta délivrance maintenant, lâche-la, 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 lâche-la. Au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu te libère. Te libère au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ, reçois la puissance de Dieu. Dieu te libère. Reçois ta délivrance dans le nom de Jésus. Le feu de l'Esprit consume les œuvres du diable dans ton corps. Et je proclame ta délivrance ce soir au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Amen. Consume tes œuvres dans ce corps. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Lâche-la. J'entends les gens dire non, le sorcier, il faut qu'on lui donne du lait. Celui qui vous dit, le sorcier a bu le lait, il est délivré, c'est que lui-même l'est sorcier. Depuis quand lait, c'est que, mais c'est qu'on peut acheter lait. Oh non, pour boire, tout le monde, non. L'action de délivrance n'appartient qu'à Dieu. Et il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui peut chasser un démon. Amen. Il n'y a que ce nom seul qui peut maîtriser l'esprit. N'est pas un élément fabriqué par les êtres humains. Ah non, non. Le lait ne peut pas chasser un démon de la sorcellerie. C'est de la protéine, ça donne de la protéine aux gens. On ne peut pas donner du lait aux gens du bois. Bois du lait, et quand tu vas boire du lait, tu seras délivré. Non, Jésus dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À moins qu'on fasse une action, mais l'action doit chasser un démon. On dit, sors, il faut que l'esprit soit chassé. On n'a pas dit de boire pour partir. Depuis quand? Il faut le chasser, il faut t'adresser à lui. Tu as peur de lui pour comment? Les gens ont peur ou bien? L'esprit est là, il faut parler au démon. C'est ça, il faut parler au démon. Feu! Heureusement qu'il y a un endroit pour les stopper. La force de Dieu. Hein? Et quand tu as l'onction, un démon ne peut pas résister. Non. Feu. Voilà. Feu. C'est ça. C'est ça la puissance de Dieu. Tu as trop mangé. Ça va partir maintenant. Ouais. Feu. C'est ça l'autorité et la puissance de Dieu. Quand la force de Dieu habite quelqu'un, elle ne peut pas résister à l'action de Dieu. C'est ce qui faisait la différence entre le ministère de Jésus-Christ et le ministère des pharisiens. Il dit, mais c'est qui? Quel est ce homme qui ordonne même aux esprits, même les esprits locaux? C'est la continuité du ministère de Jésus-Christ. Chacun d'entre nous doit chasser les démons. Amen. Amen. Le feu. L'esprit qui habite un enfant de Dieu, c'est un esprit supérieur. Ouais, comment Dieu neutralise la sorcellerie.
Vous voyez comment Dieu neutralise la sorcellerie. Une grande mangeuse d'âmes. Celle-là te rencontre la nuit. La sauce arrachée d'éclair. Elle est pendant la nuit. Au petit matin, c'est fini. Elle prend les tripes là. Mets dedans la sauce arrachée. La bière. Le feu consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. Dans le nom de Jésus. L'achat. Comment dire, regarde-moi dans votre tenue là. Mené. Comment dit? Elle y va? Mené. J'ai fait mener là beaucoup. Donc ça va comprendre que faut pas aller trop dans la sorcellerie. Ayez l'habitude de prier avec vos enfants. Enseignez-leur la prière. Amen. Enseignez-leur la prière. Même dites à vos enfants qu'on leur donne quelque chose, il faut qu'ils prient. Parce que même à l'école, vous pouvez les conseiller de prier sur quelque chose au moment de manger. Ça peut les mettre déjà à l'abri de beaucoup de choses. Parce que même à l'école, on peut l'initier même à l'école. Les sandwichs. Il y a maca, puis il y a viande. Petit morceau de viande. Est-ce qu'ils ont mangé la nuit? Ils vont donner papa. L'enfant mange, il va manger papa la nuit. Il est sorti, c'est pour toi d'abord. Et la vieille, il faut bien faire compagnie. Ça va? Tu es fatigué? Regarde-moi ici. Venez. Venez ici. Venez. Ça va? Il y a quoi? Pour te montrer qu'il n'y a rien dans ce que tu as. Il n'y a rien dans la sorcellerie. C'est Dieu seul. Feu! La puissance de Dieu, la puissance de Jésus-Christ, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Comment? Quitte sa vie. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Libère-la. 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 C'est la partie où vous mettez les enfants dedans. Là. C'est dangereux. Sors de son corps. Ça va? C'est fini. Va délivrer, t'es délivré. Allez! Allez! T'es délivré. J'ai pris du sens. T'es délivré.
Voilà, l'homme il est venu. Tu n'as déjà grâce. Tu connais le témoignage. Do you know testimony? Ce que Dieu a fait pour toi. What God did for you. Tu étais comment avant? How you were in the past. Dieu a fait quoi? What? C'est son appel témoignage. C'est ce que tu as testimony. Grâce à Dieu, qui sont ici, grâce à Dieu, moi seul, mon merci, là, ça ne m'a pas. Vous m'aidez à dire merci au Seigneur. Amen. Je vous remercie au Seigneur. Vous m'aidez à dire merci au Seigneur. Je vous remercie au Seigneur. Mon français, là, c'est pas normal. On comprend. Je ne parle pas très quietly. Parce que j'étais au village. I was in the village. J'ai malade, voilà ma fille qui est là. Hey, tu as quoi? What did you have? Sorcière. I was a witch. J'ai un sorcier, ma fille a dit, ah, c'est comme ça. On n'a qu'à aller essayer. So we need to go and meet the prophet. Prophet Grasso. Prophet Grasso. Et puis on est venu avant hier. We came hey, the day c'est que Seigneur m'a fait là. Ah. Je vais dire merci. Elle m'a fait beaucoup de choses. Pas d'asthme, même si moi, il même ça. Pas comme ça. Grâce à Dieu, au nom de Jésus, au nom de papa, mon frère, mon papa. Gloire à Dieu, c'est elle qui a enlevé la grâce à Dieu. Je suis libre. Oh, yeah, I'm a
bien. Tu danses, hein? It is very... Tu es content. Tu as pris le mari la nuit. Elle a gâté, elle a empoisonné les enfants. Elle a gâté, elle a empoisonné. Il y en a chassé les démons. Yesterday we chased the demons. Isn't it? Vaut mieux aider les gens que de les blâmer. It's cool to help people instead of blaming them. Ces personnes sont mauvaises, nous conduisent à cause de l'esprit. Il faut être en mesure de surmonter et puis aider. C'est ça l'amour. Que Jésus-Christ avait à la croix. Un amour sans intérêt, ce qu'on appelle l'amour agapé. C'est un amour sans intérêt. Interest. Loving. Ça va. Ou pas, moi, venu, on dit, maman, tu es venu. Voici une viande bien brisée avec un kiki. If you come back with your own flesh. Hein? Maman, tu es venu. Voici pour toi. Voici. J'ai dit, si tu retournes, mais si tu retournes là-bas, if you go back, tu vas mourir. Naïri go go go. Naïri go go go. Attention.